Avant de lancer votre premier produit, voilà, vous êtes content, vous voulez gagner de l'argent sur le web, je vous invite à réfléchir à cinq points. La première, c'est de comprendre tous les types de produits qui existent. Consulting, coaching, freelance, euh, formation en ligne, livre, etc. Donc, d'avoir le choix, ok Quand vous allez à un restaurant, vous choisissez pas un plat, un plat sur la première page. Vous tournez les pages et une fois que vous avez tout vu à peu près, vous choisissez. La page. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est de faire du benchmarking. Le benchmarking, c'est quoi C'est le concept d'aller voir ce que font les concurrents. Les concurrents en France, sur votre marché local, mais aussi ce que font les Américains. Parce qu'ils ont de l'avance souvent. Et ça, c'est vraiment une force de comprendre l'anglais, de pouvoir voir ce que font les Américains. Ça va vraiment vous aider à mieux définir votre offre et à mettre un prix et aussi à mettre le meilleur contenu possible, même à, dans votre copywriting, dans votre manière d'écrire la page de vente. Bref, absolument indispensable, s'inspirer de ce que font les autres. Troisième point à prendre en compte, et ça, c'est pas facile parce qu'on n'y pense pas, c'est notre niveau d'urgence. C'est-à-dire que euh, Est-ce que j'ai besoin de gagner de l'argent tout de suite ou pas? Si j'ai besoin de gagner un maximum d'argent tout de suite, peut-être que je vais tendre sur du coaching, du consulting, du freelance. Si je suis un peu plus à l'aise financièrement parce que je fais ça que le soir, le week-end, j'ai un job qui paye bien, euh, peut-être que ça va être intéressant de vendre un livre auto-édité. Peut-être pour commencer, parce que ça va vous construire une certaine base euh, et vous allez pouvoir avoir une, une meilleure valeur perçue. Okay, on va dire à ah, lui c'est une référence. Il a publié un livre. D'ailleurs, je peux, j'irai même jusqu'à vous provoquer, vous dire est-ce que vous devez vraiment vendre votre premier, premier produit Est-ce qu'il ne faudra pas agrandir la taille de sa liste en offrant peut-être ce livre électronique Mais ça c'est un sujet. Un autre jour. Donc comprendre le niveau d'urgence et en fonction de le niveau d'urgence d'adapter. Ok. Si je veux lancer une formation en ligne et gagner de l'argent alors que j'ai très une très petite communauté, j'ai intérêt à avoir une autre source de revenus parce que je veux pas gagner de l'argent aussi facilement aussi et aussi rapidement. Mais je parle vite là. Euh l'aisance Alors l'aisance, est-ce que je suis à l'aise euh, à la vid en vidéo? Est-ce que euh, c'est facile pour moi de faire des vidéos Est-ce que je suis à l'aise à l'écrit? Donc ça ça va définir le type de produit euh, que vous allez faire et aussi euh, l'aisance technique. Est-ce que je suis à l'aise avec WordPress, avec les sites internet et en fonction de ça bah soit vous sous- traitez, soit vous prenez des bons outils ou vous prenez pas la tête et ça va plus vite, euh, soit vous, vous adaptez, vous prenez un format de produit qui va être plus facilement euh, produit que euh, une formation en ligne de euh, 10 semaines. Euh, enfin, j'aimerais vous faire réfléchir sur le niveau de plaisir que vous avez. Ça c'est important parce que sinon vous allez vous décourager. Imaginez vous faites pas de vente, vous allez vous décourager, vous allez plus jamais recommencer. Donc choisissez peut-être un produit, un type de produit qui va vous plaire euh, et quoi. Quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, vous allez persévérer et vous allez être fier de vous. Voilà, donc ça c'est les cinq points. Tipes, connaître les types de produits, le, le benchmarking, faire le benchmarking, comprendre son niveau d'urgence, euh, son aisance et son niveau de plaisir. Alors, euh, si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à écouter. Euh, mon épisode de podcast 133 et 134 si je me trompe pas je vais vérifier rapidement ouais c'est ça 133 où je raconte comment euh, j'ai gagné mes 100 000 premiers euros et 134 sur comment euh, créer son premier produit donc c'est des épisodes de podcast audio je vous encourage vivement à les écouter parce que je rentre vraiment plus dans le détail euh, et si vous avez des questions et des commentaires vous savez comment faire laissez euh, votre commentaire en dessous et je vous souhaite bon courage pour votre premier produit. N'hésitez pas à partager euh, vos difficultés, votre avancement ou même allez on va se faire plaisir faites euh, la promotion de votre premier produit. Mettez euh, un lien et puis voilà j'ai hâte de euh, vous voir lancer votre premier produit et de gagner de l'argent et si vous voulez euh, aller plus loin inscrivez-vous aux formations euh, maintenant et vente sur Internet qui sont des formations 100% gratuites. Les liens sont en description. Abonnez-vous, pouce bleu. C'est bleu ou pas Ça dépend aussi où on est. Et je vous dis à très bientôt.